Formez le vent. Les artistes comédiens, vous faites gagner.
La petite des comédiens de tous les carrières, mesdames et messieurs. On nous fera, on nous fera. On continue, on continue, on va bien. Ils ont fini. 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 La sous-préfecture de Nusaya, dans le Benga. La commune, déjà de Nusaya. Applaudis. Tous venus pour la circonstance. Ovationné par le préfet. Mesdames et messieurs, vous enfants. Mais aussi la radio. Rural de Porécaria, on dit en direct. On est Téléyari à la fin. Téléyari à la fin. Bienvenue. Ovationné, cérémonie. Ovationné par la tribune officielle, le député civil militaire Khalil, à sa tête monsieur Conte et le chef Sekoz. Sekoz, Sere Benkadi, madame Nenouma. Vous avez la sous-préfecture de basketball de Ferretaria. La suite de la délégation de Kalea. Fortement représenté. Ça c'est le serre à Koulako. Derrière, à télé de couture, Aboubakar Yansani. Oui, Aboubakar Yansani. S'il vous plaît, Médo. Oui. À télé de couture, Aboubakar Yansani. Avec ses apprentis. L'Union des groupements des producteurs de Moria. Et Bobal, Bobal, sécurité de Moria. De l'hôpital protecteur. C'est 2 octobre. D'après le gouvernement. La démonstration de la cuirouge.
Ce jour 2 octobre 2023, date anniversaire de l'indépendance de notre pays. Comme chacun doit le savoir, il existe de nombreuses fêtes catégorielles en Guinée. Nous avons Noël et l'Assomption pour les chrétiens. Nous avons la Tabassi et le Ramadan pour les musulmans. Nous avons le 8 mars pour les femmes. Nous avons le 1er mai pour les travailleurs. Nous avons même le 1er novembre pour l'armée. La fête d'aujourd'hui est la seule fête qui est célébrée par tous les Guinéens sans aucune distinction. Et c'est pourquoi chaque 2 octobre, nous nous retrouvons pour célébrer notre destin commun qui a symboliquement débuté le 2 octobre 1958, date à laquelle est également née notre nation, la République de Guinée. Ainsi, le 2 octobre sera toujours fêté, et cela à la fois pour nous souvenir des sacrifices consentis par les pères fondateurs, mais aussi et surtout pour faire connaître
les faits marquants de notre histoire aux nouvelles générations afin qu'elles les gardent en mémoire pour à leur tour les transmettre aux futures générations. Et c'est cela qui forge la mémoire collective de notre nation. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens de Fouré-Kéria, cette mémoire collective dont je viens de définir brièvement le processus de formation nous apprend que la République de Guinée est notre bien commun. Elle nous rassemble toutes et tous, peu importe notre histoire personnelle ou celle de notre communauté. Guinéens, c'est ce que nous sommes tous et c'est ce que nous dominerons avant toute chose. En cette date commémorative de l'indépendance de notre pays, nous devons alors nous souvenir du nombre de sacrifices consentis par nos illustres dévanciers pour faire de notre nation un territoire libre de par la volonté souveraine. Je dis donc un territoire libre de par la volonté souveraine du peuple qui a massivement voté non au référendum du 28 septembre 1975. Depuis cette date, notre pays est en perpétuelle transformation. Certaines sont visibles, d'autres moins. Mais nous devons puiser au fond de nos cœurs pour retrouver la flamme qui a porté haut l'étendard de la Guinée et mettre tout en œuvre, chacun à son niveau, pour que notre devise travail, justice, solidarité soit effective au quotidien. La Guinée a besoin de chacun de vous, de nous tous, pour continuer d'écrire une histoire digne de nos illustres héros, lesquels, sans effusion de sang, comprenez bien, nos illustres héros, lesquels, sans effusion de sang, sans brûler de pneus et sans barrer les routes, ont réussi à faire entendre leur voix et traduire avec fierté et dignité la volonté du peuple. Citoyens et citoyens de Fouré-Kéria, je me souviens encore de notre vie dans laquelle aucune de nos routes n'était bitumée. Et lorsque les rares véhicules passaient, surtout des camions transportant la banane, c'est la poussière qui recouvrait toute la ville. Et si aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer comme je le suis, tout en blanc, vêtu, cela n'est dû qu'à un travail acharné et la volonté d'améliorer les conditions de vie de chacun de nous. Nous devons donc continuer à croire à notre ville, à notre préfecture, à notre nation. Et ce jour tombe à point nommé pour que chacun de nous fasse preuve de reconnaissance pour nos acquis et s'interroge sur son devoir citoyen pour améliorer cet état de fait. Citoyens, citoyens de Fouré-Kéria, pour terminer mon propos, je voudrais ici solennellement m'adresser au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, de bien vouloir s'inspirer de nos illustres prédécesseurs afin de continuer à construire notre nation pour un meilleur devenir de nos filles et de nos fils. Que Dieu vous bénisse toutes et toutes, ainsi que vos familles. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. Vive la République et bonne fête à tous. Fouré-Kéria, Niama, Awa Wongala, Woma Wurena Wongala, Woma la Wurena Antino, Wonga Napalisa, Wonga Lam, Wonga Wonuatia, Woma Wongima, Woma Wonga Yari Masiga, Wonga Lam, Walinane, Half Ramane Wong, Wadoya Woma Manga, Wadama Matu Muya, Abara Womadi, Adana Mi Womadi, Natana, Walbeki,
Halaji, Nathaniel, what can you have been in that? We are moving on with your father. To the moon, I want to say one baby. When I am going to be a man there, the man I'm proud of, you can go in Nani, Alan Yabu. If I had a letter in Harry, 97 of whom I am a day from Arab, I don't know how to do. Get a woman, woman of Makaya, I don't know who that woman is. I don't know who is a boy. Get a woman, get a woman, Ramasala woman. Le 12 octobre 1958, après sa vague, courageusement on continue non au référendum des gaullistes du 28 septembre 1958, suite à un demi-siècle de domination coloniale française. L'ordre de devenir maître de son destin devant l'histoire. Madame et Monsieur, tout en vous remerciant pour votre mobilisation massive, à l'occasion de cette journée historique, je voudrais rappeler que la fête de notre indépendance est un moment d'intense émotion pour la nation, car elle consiste en une fête qui nous rassemble, exemple de notre liberté retrouvée et met en l'honneur nos compatriotes qui se sont investis pour la cause de la patrie, sous la leadership de camarades Ahmed Sékou-Touré. À son âme. Madame et Monsieur, il convient de rappeler que depuis le 5 septembre 2021, le CNRD dirigé par notre pays à sa tête le colonel Mawali Doumbouya, président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. Depuis cette date, le CNRD a entrepris de nombreuses réformes à savoir la ratification institutionnelle, la refondation de l'État, le redressement, le repositionnement. À cela s'ajoute la réalisation de nombreuses infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Madame et Monsieur, pour la première fois de notre histoire, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, sous le leadership de son président, colonel Mamadou Doumbouya, chef de l'État a initié de fêter la semaine de l'indépendance en République de Guinée du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre 2023 avec le slogan s'inspirer du passé pour construire le futur. Madame et Monsieur, à l'instar des autres préfectures du Procalia pour célébrer le 507e anniversaire de l'indépendance, a organisé le forum citoyen et a porté sur les acquis de l'indépendance, les réformes entreprises pendant la transition, les préoccupations des citoyens de la préfecture sur le plan politique, économique et social. Madame et Monsieur, la jeunesse de Guinée, et particulièrement celle de Port-Calia, vous êtes la relève. La patrie est supérieure à nous tous. Sur ce, vous devez prendre vos responsabilités et comprendre que la Guinée future, c'est vous. Donc, sacrifiez-vous pour défendre l'honneur de la nation. Ne vous laissez pas dans la main des personnes qui cherchent à détruire notre richesse. Vous, les jeunes, la Guinée a besoin de vous pour sa construction et son développement. Donc, à vous de juger entre la vérité et le mensonge. Qu'est-ce qui est meilleur? Je tiens à vous réassurer la sécurité des personnes et leurs biens. La justice est faite pour arbitrer entre nous. On ne sera pas la justice. Port-Calia appartient à la jeunesse de Port-Calia, qui cultivons alors la paix et la critique dans la cité. Nous venons de suivre le discours de M. le préfet. Nous invitons M. le préfet.